déjà vu. I just been this place before. Higher on the street and I know it's my time to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Whoa, déjà vu. I just been this time before. Higher on the beat and I know it's a place to go. Going new and the search is a mystery. Standing on my feet, it's so hard when I try to be me. Yeah. Bonjour à toutes, bonjour à toutes YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir, hop là, petite transition, le combo avec Bardock qui fait 9747 de dégâts. Donc on va le détailler, on va expliquer à peu près ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a utilisé comme perso, et du coup on va voir ça. Donc déjà je vous remontre à peu près ce que ça donne, et après on va le refaire petit à petit, image par image, pour vous montrer à peu près ça. A tout de suite. Bon, 9746 de dégâts. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça a fait ça? C'est très simple. On va voir ça. Donc du coup, hop, le petit destock. Pour voir après image par image. Du coup, là, c'est la première fois où je m'étais loupé. Pam, bam, 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 bam. Ça, c'est la deuxième fois où je m'étais loupé. Voilà. Et donc du coup, ça part à partir d'ici. Voilà, à partir de ça. Alors là, on va reprendre. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il faut dans l'équipe? Comme je vous l'ai expliqué, il faut donc Bardock, Broly et Vegeta Super Saiyan pour pouvoir le réaliser. Bardock va me servir pour la première assist. Broly va me servir pour la première assist. Super Vegeta va me servir pour la deuxième assist. Voilà, dans l'ordre. Et ensuite, au niveau des ultis, nous allons d'abord balancer Vegeta en assist. Et ensuite Broly en niveau 3. Pourquoi? Parce que l'ulti de Vegeta est moins puissant que celui-là de Broly. Voilà, Broly a un DPS beaucoup plus intense. Donc on démarre direct en bas médium médium. Voilà, pour histoire de mettre la personne en l'air. Voilà, donc bas médium médium. Pourquoi? Parce que en fait ça me permet d'avoir plus de dégâts en haut à gauche. Je l'ai testé, à commencer avec une override ou à commencer avec autre chose, ça met plus de hits. Ça permet d'ouvrir la garde, mais le problème c'est que ça fait moins de dégâts. Là on va essayer de faire du dégât brut. Donc une fois que c'est fait, on part en léger, médium, voilà. Et ensuite on part de quart de cercle arrière, médium. Pourquoi? Parce que si vous faites un quart de cercle arrière, height, enfin heavy, voilà, c'est pas le height, c'est le heavy. Donc quart de cercle arrière, H, donc heavy, le problème qu'il y a, non madame, ce qui va se passer c'est que vous allez plaquer le mec au sol et c'est pas le but. Si vous le faites en léger, bah du coup bah, il va... vous n'allez pas faire assez de dégâts, donc le médium est le mieux adapté. Donc quart de cercle arrière, et à ce moment là en fait, quand je fais mon quart de cercle arrière, vous voyez, j'utilise mon assist au même moment. Non madame, après. Après, d'accord. Donc, quart de cercle arrière, médium, au moment où il le fait, vous envoyez Broly directement. Parce que comme ça, il va pouvoir la récupérer au sol. Une fois que c'est fait, vous balancez un sparking. Voilà. Vous balancez le sparking pour monter la personne en l'air et pour la réceptionner, tout simplement, bas médium, médium. Voilà, comme ça, ça permet de vraiment de le récupérer. Alors, faut vraiment le faire quand vous êtes à peu près au niveau du sol. Ensuite, je continue avec un diagonale vers l'adversaire, médium. Si vous faites un léger, vous n'avez pas 20 ans, c'est très chaud à placer. Vous pouvez placer un léger, c'est pas impossible, mais vaut mieux placer un médium, vous avez plus de chances de le toucher et en plus vous faites plus de dégâts. Donc, médium, léger, léger, deux légers, tac tac, deux light et un médium de nouveau. Et une fois que vous avez fait light, light, médium, vous bumpez de nouveau l'air. Donc, du coup, au début, bas médium, médium, léger, médium, léger, médium, quart de cercle arrière, ah, médium. Broly, boum, sparking, bas médium, médium, poum poum, médium, léger léger, médium, bas H, donc bas high, c'est le height ou le heavy? Le height, bas height, je vais y arriver. Une fois que c'est fait, vous remontez en l'air, en sparking, enfin pas en sparking, en sorte de super dash automatique,
Et là, vous faites léger, léger. Et ensuite, quart de cercle arrière, de nouveau, médium, pour plaquer. A savoir que vous allez utiliser l'assist de Vegeta à ce moment-là, au dernier moment. Vous allez voir, quand je le place, je descends en bas et je le place ici. Voilà. Vous voyez, je viens à peine, juste avant de toucher le sol, je le place. Et comme ça, ça me permet d'avoir le temps de balancer mon ulti. Donc niveau 1, donc avec Bardock, son hypercute. Donc il se fait avec quart de cercle avant, R2 ou LB. Non, RL, non. RL. Non. Si, c'est ça, c'est RL, je crois. Putain, je sais jamais. RT, voilà, c'est RB ou RT. Donc RT, Right Tiger. Donc voilà. Donc une fois que c'est fait, il se prend l'assist de Vegeta, donc il est maintenu en l'air, et là vous spammez la chope. Vous spammez la chope, et une fois que c'est fait, vous allez rester appuyé sur une touche d'attaque pour maxer donc les dégâts. Merci à Ryu qui nous a appris ça. Et vous allez vous repasser, une fois qu'il a fini de faire sa chope, en quart de cercle avant de nouveau, RT ou R2, pour utiliser de nouveau l'ulti niveau 1, qui va le rechoper. Vous voyez, il touche pas le sol. Hein. Une fois que c'est fait, vous balancez l'ulti niveau 1, la deuxième ulti niveau 1 de Bardock, donc en appuyant sur la gâchette du dessus, donc RB ou R1. Vous allez envoyer Vegeta en assistance, donc en fonction où vous l'avez, assistance 1 ou 2, hein, faites comme vous le sentez. Ça envoie un deuxième ulti niveau 1, et là, vous reste 3 barres de ki, donc vous voyez le Broly au moment où ça va toucher, et là vous allez donc passer de 8006 à 9747 de dégâts, donc ça envoie environ 1101 de dégâts. Voilà, et cela prend direct, voilà, 9746 de dégâts, donc direct. Et là vous avez quasiment éclaté en 100 hits en rouge, donc du coup la personne n'a pas pu se défaire de son combo, et vous avez pu triompher. Voilà. Donc pour récapituler, hein, tout ça, donc c'est un combo très cher, pas le faire tout le temps, faut vraiment pas trop le faire en combat classé, ça coûte rien. Vous pouvez essayer, hein, honnêtement, ça c'est vous qui voyez, mais moi je le conseille pas, c'est vraiment là du visuel, en fait, c'est visuellement parlant, mais en même temps ça vous permet d'apprendre un peu des combos, qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut utiliser les assists, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas n'hésitez pas à la liker, la partager, la commenter, me dire ce que vous en avez pensé. Si vous voulez revoir des petites vidéos tuto là-dessus, bon, j'en ferai sûrement de nouveau, on ne sait jamais, mais bon. Si vous en avez envie, n'hésitez pas à le lire, je suis là pour ça, pour répondre aux questions, pareil, vous avez la page Twitch aussi qui est à votre disposition, DarkPewPewTV. Et puis bon, je vous donne mon rendez-vous pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Sur ce, des bisous, ciao ciao et passez une bonne journée, salut. Déjà vous.